en marge de la cérémonie de lancement à Popodra de la campagne de reboisement national dans la région administrative de la baie, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a rassuré que cette initiative du président de la République porte l'espoir d'un lendemain meilleur pour la Guinée où il fera beau vivre. C'est un projet extrêmement intéressant qui est une initiative présidentielle et mis en œuvre par deux ministères, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Ce projet a deux pans. C'est le reboisement pour restaurer notre environnement et la création d'emplois pour les jeunes. Le chef de l'État a constaté, avec nous d'ailleurs et tout le monde, la dégradation très poussée de notre environnement avec les conséquences néfastes que nous connaissons, dont entre autres le réchauffement climatique, la déforestation, la sécheresse qui pousse. C'est pas, nous constatons tous les dégâts causés et qui impactent négativement d'ailleurs sur l'agriculture, sur l'élevage, sur le tourisme, donc sur l'économie du pays, sans compter les risques énormes causés par la non-opérationnalisation des barrages qui sont en train d'être construits aujourd'hui pour résoudre le problème énergétique auquel nous faisons face. À travers cette initiative du président Alpha Condé, 1600 hectares vont être reboisés cette année avec la création de 16 000 emplois. Oui, c'est en mettant en contribution les différentes plateformes de jeunesse que nous avons au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. C'est en utilisant les jeunes dans le cadre non seulement de la mise à terre des plans, mais aussi du suivi. Parce que ce projet a trois phases. D'abord, il y a la phase préliminaire, donc d'études pour identifier les zones dans lesquelles nous devons faire ce reboisement. La deuxième phase, c'est la phase mise en plan que nous sommes en train de faire actuellement. Et la troisième phase, c'est le suivi. Il y a même un concours qui est institué pour créer de l'émulation positive entre les différentes préfectures. Et il y a un prix qui sera donné à la préfecture qui sera distinguée comme la meilleure en termes de mise en plan et de suivi. Et donc, c'est en mettant en contribution les différentes plateformes de jeunesse, justement dans ce travail, que ces jeunes seront occupés de façon rémunérée. À ce sujet, le ministre Mokhtar Diallo donne la garantie que le recrutement des plateformes de jeunesse se fera dans les règles de l'art. Non, je vous dis qu'il n'y a pas de favoritisme parce que le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune et celui d'ailleurs de l'Environnement ont des structures déconcentrées au niveau région, préfecture et sous-préfecture. Donc nous avons des cadres compétents, des techniciens qui sont à la base et qui sont en étroite collaboration, qui sont en contact permanent avec les différentes plateformes de jeunesse. Le ministère de la Jeunesse, gère les différentes associations, ONG, mouvements de jeunes, mouvements et les plateformes sur l'ensemble du territoire national, du sommet à la base. Et donc, nos cadres au niveau déconcentré savent quelles sont les structures les plus dynamiques qui sont actives sur le terrain. Et donc, il y a une première mission conjointe justement entre les deux ministères, c'est-à-dire en charge de l'environnement, en charge de la jeunesse, qui était déjà venue à la base rencontrer les différents acteurs, soit y compris ces différentes plateformes, justement pour mettre en place le dispositif opérationnel. Régulièrement, des campagnes de reboisement sont organisées dans le pays, mais les espèces implantées ne survivent généralement pas, faute d'entretien. Cette fois-ci, des dispositions idoines sont annoncées par les autorités gouvernementales. Nous ne limitons pas simplement à la mise en plan. Ce projet va au-delà pour dérouler un suivi permanent sur le terrain. Et nous-mêmes, les ministres, nous reviendrons sur le terrain pour voir le succès
du reboisement que nous sommes en train de faire. La troisième phase de ce projet, qui est très importante, c'est justement le suivi qui sera fait par l'ensemble des acteurs, par les autorités déconcentrées, décentralisées, par les différents acteurs, n'est-ce pas, les spécialistes en matière justement d'environnement, eau et forêt, mais aussi les différentes plateformes de jeunesse qui sont impliquées. Et donc, le suivi est l'une des phases les plus importantes de ce processus ou de ce projet. Et nous impliquons aussi les différents acteurs, les religieux, les sages, les femmes. Donc c'est un projet social. C'est pas. Nous mettons aussi fortement en contribution les gardes forestiers. Tout ça pour justement que tout se passe dans les meilleures conditions. Malgré ces bonnes nouvelles, il semble qu'à date, les acteurs d'exécution de ce programme à la base n'ont encore rien réussi comme moyen pour commencer le travail sur le terrain. C'est le cas de la préfecture de l'Abbé, où il est officiellement prévu de reboiser 65 hectares. En principe, les moyens sont dégagés. Donc les moyens doivent permettre de réaliser ce projet dans les meilleures conditions pour atteindre les résultats escomptés. Et c'est évident. Le président de la République, le professeur Falcone, a donné des instructions fermes, n'est-ce pas, pour le financement du projet. Et le Premier ministre en personne s'est impliqué pour que le montant soit obtenu à partir du budget national de développement. Et donc, au moment où je vous parle, le budget, en tout cas pour la mise en œuvre de cette première phase, est déjà obtenu. Donc, en principe, il n'y aura pas de problème. Dans cet entretien exclusif accordé à guinemattin.com, le ministre de la Jeunesse a invité chacun à participer à cette campagne de reboisement et à s'impliquer davantage dans la lutte contre la coupe abusive du bois et les feux de brousse.